Bienvenue avec nous sur le magnifique site du lac Genin. Ce lac est situé sur les communes d'Oyonnax, Charix et Échalon dans le Haut-Bugey. Alors, cadre paradisiaque, surnommé aussi le Petit Canada du coin. Bon, Gilou, voyons. Le site est surnommé le Petit Canada du Haut-Bugey. Dans son écrin de verdure. C'est un lac de moyenne altitude du massif du Jura. Ah, il y a de l'eau. Je confirme, il y a de l'eau. Il se situe au milieu d'une forêt typiquement jurassienne, composée de sapins, d'épicéas et de feuillus. Ce site est classé pittoresque depuis le 1er mars 1935. Ce lac est situé dans une dépression. Il est alimenté par les eaux de ruissellement et des venues d'eau souterraine. Le trop-plein s'écoule vers le sud par un réseau souterrain dont l'entrée est bien visible. Cette nature nous invite à la découverte. L'origine de la dépression est probablement karstique, avec surcreusement ultérieur du glacier jurassien et dépôt de sédiments argileux imperméables. Jusqu'au milieu du XXe siècle, le lac était entouré de plusieurs fermes où l'on cultivait et exploitait les champs et prairies alentour. Aujourd'hui, toutes sont en ruine. Ce lac est un haut lieu du tourisme en été. Sur le site, une plage publique surveillée, un hôtel auberge restaurant bar et un camping. Il paraît qu'en hiver, lorsque l'épaisseur de la glace est suffisante, on peut y faire du patin à glace. Son altitude 850 mètres, une surface de 8,15 hectares. Les champignons du lac Genin. Longueur maximale 380 mètres, largeur maximale 330 mètres et profondeur maximale 24 mètres. Allez, sans plus attendre, nous partons en visite autour de ce magnifique lac.
c'est joli. Alors, ce lac Genin se situe à quelques kilomètres au-dessus de Nantua, du lac de Nantua. L'hiver, il est souvent gelé et c'est ici que viennent s'entraîner des plongeurs sous la glace. On peut faire de jolies balades sympathiques autour du lac, au son de la nature. Maintenant, sans plus attendre, prenons un peu de hauteur pour découvrir ce joyau.